Et voilà, du nouveau au jardin du Lucas Ferrelet. Du nouveau, parce qu'il y a des nouveaux outils, des greninettes, des bêches, etc., etc., offerts par Fiskars. Les poules, c'est pas nouveau. Qu'elles grattent autour du compost pour y chercher les insectes, c'est pas nouveau non plus. Par contre, il y a deux nouvelles poulettes, des nouveaux occupants. D'où l'agrandissement du poulailler. Ils vont pouvoir rester ici, dans cette partie-là du poulailler, un peu mise en verdure exprès, par rapport à l'ancien poulailler où les deux plus grandes sont. Parce que quand je les ai sortis de la boîte, la plus chétive de nos deux poules m'a quand même foncé sur les poulettes pour leur mettre une rouste. C'est-à-dire qu'elle était à leur même place il y a exactement un an. Et la rousse que voilà, elle se rappelle avoir été brimée. Donc c'est directement ce qu'elle a fait. Elle a donné des coups de bec malveillants à ces poulettes-là. Vous allez être bien là les poulettes. Mais oui. Vous allez être bien. On a mis un coin d'eau avec une réserve tétine. Il faudrait qu'elle s'y habitue, il faudrait peut-être que j'enlève même le bac qui est là pour qu'elle s'abreuve de cette façon. Les graines germées, elles sont pas perdues, elles sont ici. Bon, enfin, la nouveauté de la verdure, c'est quand même intéressant. Hein. Et puis, elles vont dormir ici pendant quelques jours, en attendant de vivre en communauté, dans le poulailler. Que voilà. J'ai deux œufs qui m'attendent. Voilà. Et en ce qui concerne l'avancement du jardin, moi je suis vraiment à la bourre. Puis en plus, je me suis lancé dans la construction de ce bac que j'ai appelé bac H. Il viendra ensuite tout le long ici un bac mural avec une pergola. Peut-être on essaiera d'y faire pousser des actinidias, des kiwis. Il y a déjà le gabion avec une partie de la structure. Voilà. Ce bac-là fait 4 mètres carrés. 4 mètres par 1 mètre. Bon, puis je vais surveiller les poules parce qu'elles auront vite fait d'aller me gratter les seules petites choses que j'ai plantées cette année. D'ailleurs, il y en aura d'autres en transplantation. Des godets qui attendent. Ouais, j'ai du boulot, quoi. J'ai du boulot. Voilà, donc à bientôt, donc.